La chanson grivoise est pour certains artistes un gagne-pain. Madeleine avait des gros pains, c'est maintenant le pis, moi j'entends ma b. Et voilà! Hey! Alors je vous en pousse une autre? Ouais! Oh, on a une petite dame qui se réchauffe là! Bon, allez, on y va! Marjolaine avait mauvaise haleine et chacun savait pourquoi. Elle avait toujours la bouche pleine et c'était pas du nougat. Elle faisait tellement de pipes qui n'étaient pas en bruyère. Elle n'a jamais vu le visage d'un type mais des milliers de derrière. Tout le monde! Les petits pois de tétons, les tétons, les tiques fesses, les vieux culs, poil, poil. Les poils, les tiques fesses, les tétons, les tiques fesses, les foufouf, les foufouf, les tiques lolos. Les fesses, fesses, les coucouilles, les coucouilles, les testicules, les tiques pompons, les tiques pompons, les tiques foufous. Moi, je vais faire une petite pause. Oh, tu nous en pousses une autre. Ouais. Bon, 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 une dernière avant la pause. Ouais, super. C'est l'histoire de mes conquêtes. Lucille était docile. Elle prenait mon projectile et se l'envoyait dans le mille. Lucille. Oh. Chez Margot, il faisait chaud. Je ne l'ai jamais vue que de dos, car elle préférait par le recto. Margot. Ah. Catherine, la coquine, s'empare de ma figurine et la fait marcher comme Chaplin. Catherine, tous ensemble. Voilà. Alors je vais à la pause. Attends Christian, pousse-nous l'air des nichons. Tout à l'heure mes amis. Pousse-nous l'air du trou du cul. Bon, tenez. Quel bon con! Ça va, Christian? Ouais, devine! Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'en as marre et que tu vois gris. Non, j'en ai marre du grivois. Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'aimerais jouer du classique et que j'aimerais faire de la poésie. Hein? Plutôt que de chanter ces conneries. Comme le truc classique dont tu me parlais l'autre jour, là. Quel? La musique pour cocu. Quoi? Ça s'appelait T'as couché avec qui? Tchaïkovski. Ah bon? Je voudrais chanter des textes de poètes. Pas de problème si c'est des poètes cochons comme Baudelaire. Baudelaire n'était pas un poète cochon. Ah non? Mon vrai rêve, c'est de jouer du Beethoven. Ah, Beethoven, c'est lui qui a composé Aline la salope. Sonate à la lune. Et Lorraine a joui. L'hymne à la joie. Et son truc sur la cochonne difforme, là, la folie du cinquième saint. La cinquième symphonie. Et il y avait pas Mozart aussi? Mozart, oui. Avec la turlute de Chantal. La flûte enchantée. Oh, c'était que ça. J'en ai marre du cul, je voudrais jouer de vraies belles choses. On fait chier, c'est nul pour les affaires. Ça, c'est le patron qui parle. Bah ouais. Bah, j'aimerais que ce soit l'ami qui me parle. Écoute, Christian. Ouais. Tu sais, mon copain. Quoi donc? Fait chier, c'est nul pour les affaires, tu vois. Bravo, ah. Top différence. N'est-ce pas? Tu m'avais dit au début que c'était une boîte intellectuelle. Mais pas du tout, je t'avais dit que c'était une boîte à intérêt sexuel. Bon, ça y est. Notre établissement a un grand nom, tu sais. Tu parles, le café Les Petites Fesses. Oh, mais qu'est-ce que t'as la tête dure? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Aïe. Oh, pardon. Pourquoi on n'essaie pas de faire des concerts de classique et de poésie? Parce que ceux qui écoutent du classique et de la poésie boivent que des tisanes. Oh. Combien d'années tu crois qu'on va tenir avec des tisanes? Je sais pas, une tisane d'années? Moins que ça, mon pote. Y a pas de fierté à faire le métier que je fais. Oh, ça, c'est la version de ton père. C'est ce que je dis, c'est de la perversion. Je te reconnais plus. Ah bah d'accord, j'irai jouer ma saine musique ailleurs. Je veux pas que tu t'en ailles, Christian. Je veux que tu chantes des chansons grivoises dans cette boîte. Bon, passe-la-moi. Tiens. Le cul de Madeleine. Tu vois, t'es fait pour ça, toi. Je l'ai mis dans ma bouche.